bien mis dans le sac tout ce qu'il me faut pour la plus grande soirée pyjama de la Terre, maman. Oui, tu peux me faire confiance. J'ai pris ta brosse à dents et ta trousse et ton ours préféré. Non, surtout pas ça. J'ai pas envie qu'on me prenne pour un bébé. Au fait, t'as bien mis dans ma valise mon pyjama camouflage. Oui, évidemment, mon petit trésor. Oh, c'est Max. Merci, maman. Je te parie que ça va être la meilleure soirée de ma vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Mon tout petit garçon, loin de moi, toute une nuit. Non! Nicolas! Tu as oublié ton pyjama! Oh, misère! Quel pyjama je lui ai mis dans le sac, du coup? Quand on assure la garde de nuit, on doit tout faire pour garder ses sens en alerte. Le secret, c'est de rester hyper concentré. D'accord. Est-ce que je suis une tasse de thé? Bien joué, bravo. Et tu as trouvé au bout de 10 questions. À mon tour. Est-ce que je suis un éléphant? Vous êtes là. Oh, bonsoir, Colonel Boyce. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur? Une surprise, c'est une visite de contrôle. Vous avez quelque chose de collé, un petit papier sur votre front. Ça? Oh, exact. C'est rien. De temps en temps, pendant la garde, on joue à trouver qui je suis. Ça nous aide à rester bien éveillés. Oh, c'est un entraînement pour le cerveau, alors. Ça, c'est très bien. Bon, ce qu'on fait maintenant, c'est attendre que ton père et ta mère aillent se coucher. Et après, commencera alors la meilleure soirée pyjama de la Terre. Je suis tellement impatient. Heureusement que je ne dors pas avec un pyjama de bébé comme ces deux-là. Quoi? C'est pas un pyjama de bébé? Le mien non plus, d'accord? Ah oui? En tout cas, comparé à mon pyjama... Oh non! Maman s'est trompée, elle m'a donné le mauvais pyjama. Hé, les copains, regardez dans le coin. Quoi? On est censé voir quoi, en fait? C'est quelque chose qui fait peur? J'ai cru voir un énorme pingouin. Un énorme pingouin? Ben, j'ai dû faire une erreur. Bon, quand vas-tu te décider à enfiler ton pyjama de grand pour qu'on puisse enfin s'amuser? Non, il n'y a que les bébés qui mettent des pyjamas. Moi, je préfère dormir dans mes vêtements. Si Nicolas a le droit de dormir sans son pyjama, alors moi je fais pareil. J'espère que mes parents vont vite aller se coucher. Et alors commencera la meilleure soirée pyjama de la Terre. Suis-je une carotte? Non, monsieur. Alors, un sèche-cheveux? Non, monsieur. Peut-être qu'on pourrait faire des simulations, non? Quoi? Non, 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 ce jeu est bien plus efficace qu'un exercice. J'ai l'impression que mon cerveau tourne encore plus vite que d'habitude. Oh, j'ai trouvé. Est-ce que je suis un tas de bulots sur une plage? Ils se sont endormis. Très bien, Mathieu. Tu nous as apporté de quoi faire un festin? Oh, que oui! Des carottes? Bah quoi, c'est très bon pour la santé. Comment voulez-vous que ce soit la meilleure soirée pyjama avec seulement 3 pauvres carottes au menu de notre super festin? Je dois avoir des pastilles de sang. C'est pas grave. On va aller faire un tour dans la cuisine et voir ce qu'il y a dans les placards. Attendez, je vais juste aller vérifier que la voie est libre. Mais papa et maman dorment. Bon débat. Comme ça, personne ne se moquera de moi. C'est bon, il n'y a personne. Bon, il faut dénicher tout ce qu'il y a de bon à manger pour se faire un festin. Oh, je vais vous préparer les meilleurs sandwichs de minuit de la Terre. Ah, maintenant, je n'ai plus qu'à faire griller tout ça. Tu es sûre que c'est la bonne façon de faire, Nicolas? Évidemment que j'en suis sûre, Marie. C'est la meilleure soirée pyjama de la Terre, reconnaissez-le. Oh, je sais, je connais une histoire. Qui c'est qui veut avoir peur? Une histoire de fantôme? Oh, il fait super noir. Quand on raconte une histoire qui fait peur, c'est mieux si on est dans le noir.
J'adore. C'est bien parti pour être la meilleure soirée pyjama. Alors, elle raconte quoi ton histoire qui fait peur, Nicolas? Elle s'appelle... Bon, 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 bon. Le brouillard sur la tombe. Il était une fois donc un gardien de cimetière très laid, méchant et qui vivait dans une maison tout près des tombes. Et toutes les nuits... Bon, est-ce que je suis une grosse citrouille? Non, 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 laissez-moi réfléchir. Non? Ah, mais oui, ça y est, je sais. Je l'ai. Et non, 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 ça peut pas être ça. Ça fait déjà une heure qu'il essaye de deviner. On a des indices, monsieur, ça vous dit? Oui, merci, donnez-moi. Vous êtes quelque chose que vous portez ce soir. J'ai trouvé. C'est quoi? Non, 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 je n'ai pas d'idée. C'est alors que le méchant gardien montre son horrible veston vert. Et le brouillard des tombes, à quel instant il intervient dans l'histoire? C'est possible de savoir ça? Oh! Elle est super longue! On s'ennuie! J'ai jamais eu aussi peur de ma vie! Oh non! Là! C'est le brouillard des tombes! Dis pas de bêtises, s'il te plaît! C'est pas du brouillard! C'est de la fumée! Oh! Il y a le feu à mes tartines! Je vais réveiller mes parents! Il faut téléphoner à Sam! Ça y est, j'ai trouvé. J'ai enfin deviné ce que c'était. Yes. On continuera ce jeu plus tard, chef. Il y a un incendie chez les carreaux. Il y a un incendie chez les carreaux! Qu'est-ce que vous faites dans le salon à cette heure? Il y a le feu dans la cuisine, Sam! Julie, commence par couper l'électricité. Oui, d'accord. Moi, je vais m'assurer que tout le monde va bien. Bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Je sais, je n'aurais jamais dû mettre à griller autant de pain, mais j'avais tellement faim. À l'avenir, tu sauras que les grille-pains peuvent être des appareils très dangereux si on ne les utilise pas correctement. Oui, je sais, Sam. Oh, au fait, j'ai trouvé un très joli petit pyjama rose sur la haie. Ce n'est pas à toi. Quoi? C'est pas le mien. Pourtant, il y a une étiquette avec ton prénom. Alors, qui c'est qui met un pyjama de bébé pour dormir? Avec des moutons en plus. Même moi, j'oserais pas mettre un truc pareil. Oh, au final, c'est la pire soirée pyjama de la Terre. Oh, ça y est, je l'ai. Je viens de trouver. Est-ce que je suis un pantalon par hasard? C'est ça, colonel. Bien joué.